dès qu'on demande de détacher, on va exercer ici une pression, d'accord? Forcément, on est obligé de tendre, et avec le phénomène de détacher, on va envoyer l'air très vite, et ça, ça demande un peu plus de retenue et de résistance, d'accord? C'est pour ça que le legato est beaucoup plus souple, il demande juste à peine de souffler en fait, c'est un peu plus dans le soutien, donc c'est beaucoup moins, ça demande beaucoup moins d'actes de résistance au niveau des lèvres. C'est pour ça qu'on attaque le détaché souvent après le legato, d'accord? On y va. Donc c'est comme on dit, on peut le faire en canon si vous voulez, on essaie, je commence, vous continuez sur la tierce et vous continuez sur la quinte, d'accord? Il se passe pas grand chose de différent. C'est pour ça que c'est important au début de bien fixer la note pour bien trouver la bonne. Au début, c'est pas forcément facile de bien trouver le centrage. Je veux dire, centrage, pour moi, il y a trois choses importantes. D'abord, il y a où on place la langue, d'accord? Plus ou moins en haut, plus ou moins en bas, d'accord? Deuxième chose, forcément, la position des lèvres. Et troisième chose, c'est la façon dont on envoie l'air, d'accord? Si ces trois choses sont bien, vous avez un détaché parfait, d'accord? Vous avez vraiment une note qui va être pleine, ronde, et ça, avec un détaché qui va être assez sympa. Si par contre il y a une des choses qui est pas bonne, on va avoir quelque chose qui peut attaquer par le bas ou quelque chose qui va pas être rond par en face, d'accord? Donc c'est pour ça que les premières fois qu'on l'a fait, on a fait lentement, donc bien fixer les notes, et après plus on va aller vite, plus on a en principe bien fixé avant, et du coup on n'a plus qu'à envoyer l'air rapide en fait. Vous avez vu la différence entre lentement et rapide, c'est une question de vitesse d'air, d'accord? Plus on va jouer vite, plus on a de la vitesse d'air, moins d'air par contre, pas autant d'air qu'en lentement. Et donc après, vous fixez et vous tenez là, et vous avez juste à mettre de la vitesse d'air, et en principe, ça va tout seul. D'accord? On essaye maintenant un petit peu de souplesse. On monte, on revient, on descend, on revient, on monte plus loin, on revient, on descend plus bas, on revient, ainsi de suite. D'accord? On essaye ça? Thank you.
Le contraire, tant parlé, tant parlé, un lié, un détaché de livre. Pas, car. Et c'est un petit grand chelem, c'est-à-dire qu'on fait première fois normal. Deuxième fois, on fait la première discussion qu'on a faite. D'accord, bien. D'accord. Grand chelem. Regarde. 1, 2, 3, 4. Ok, 3, sur une note. Après, ce qu'il faut penser, c'est qu'on bouge plus et on met plus de vitesse, d'accord? Plus de vitesse d'air, moins d'air aussi. Parce que si on met autant de vitesse qu'on a mis d'air avant, ça fait un peu impossible à résister au niveau des lèvres. Donc en fait, on est bien sur la note, on est bien centré. Impossible si on canalise pas l'air et qu'on ne met pas assez vite, il n'y a pas de vitesse de langue qui va avec, d'accord? Ça, quand on est bien centré, après, vitesse d'air, et la vitesse va venir avec l'angle. D'accord? Parfait. Bon courage avec la méthode dans la salle. Et puis voilà, mais il y a tout dedans, hein, quasiment. Je pense que les gueules de queue aussi dehors par là, bon, il faut chercher, mais je pense qu'il y a tout dedans. D'accord? Parfait.